Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lily Rose est enfin en... vacances. T'as mis du temps à réaliser là. Oui. Et sauf qu'il y a un truc trop embêtant, nos parents forcent Lily Rose à faire des cahiers de vacances. Elle doit réviser, alors là elle a 2 mois de vacances, mais elle doit réviser, tous les jours. Pour que je fasse une bonne troisième. Voilà, parce qu'elle va rentrer en troisième, elle doit réviser et là regarder tous les devoirs qu'elle doit faire. C'est incroyable, elle doit réviser tout ça. Sauf que vous nous connaissez, on a toujours des solutions et on va vous partager une solution pour ne jamais faire les devoirs. Ouais, parce que là... Donc là, regardez, on dirait que c'est Lily Rose qui a écrit. Mais pas du tout. Voilà, même là, on dirait que c'est Lily Rose qui a écrit, qui a fait tous ses devoirs. Sauf qu'en vrai, la sorcière nous a donné une solution. Elle nous a donné une formule magique pour que les devoirs se fassent tout seuls. Donc tous les jours, on lui a demandé de venir. La sorcière, elle vient, elle prend le crayon. Attendez, non, ça tombe, c'est Peppa Pink. Non, rentre non, pas, rentre non, pas. Non, ouais, non, on rentre fait pas. On fait nos devoirs. C'est toi, la sorcière. Là. Ah bah, elle vient pour faire tes devoirs du jour. Ah bah, cool. Ah bah, justement, tu vas pouvoir leur montrer comment, grâce à ta formule magique, tu fais tous les jours les devoirs de Lily Rose. Ça marche. Oui, vas-y. Donc là, en fait, elle fait un truc bizarre avec le crayon et vous allez voir, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Ouais. Donc là, regardez, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit pour l'instant, mais vous allez voir. C'est le crayon magique que je vous ai donné. Vas-y, vas-y, fais les devoirs. Abracadabra. Allez, abracadabra, 1, 2, 3. Les devoirs sont faits. Et regardez, tout est fini. Voilà, les amis. C'est incroyable. Donc la sorcière, bon, maintenant, on veut la garder chez nous. Bon, hein. On veut plus se débarrasser d'elle parce qu'elle nous rend service. Écoutez, et grâce à elle, on peut s'amuser tous les jours. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Quoi? Ah, t'as une bonne nouvelle? Oui. Ah, tu vas pouvoir faire mes devoirs aussi? Non, j'ai autre chose, mais c'est... Ah là là, c'est merveilleux. Vous savez quoi? Non. Eh ben, j'ai rencontré un amoureux. Quoi? Quoi? Oui, j'ai rencontré un amoureux. T'as rencontré un amoureux? Dans la forêt. Dans la forêt? Ouais. Mais... Alors, il m'a montré toutes les nouvelles potions que je connaissais pas. Et puis, oh là là, on a discuté pendant des heures de magie et tout ça. Et puis, je suis tombé amoureux. Donc, alors, je vais vous quitter et puis je vais vivre avec lui dans la forêt. Quoi? Non, mais on a vraiment besoin de toi là, surtout cet été. Oui, attends, oui, bah, toi, mais je suis heureux pour toi. D'ailleurs, je vais vous le présenter. Attends, vas-y, tu peux partir de la chambre 2 minutes. Allez, tu peux partir de la chambre. Bon, je viendrai vous présenter. Ferme la porte. Lily Rose, je crois qu'elle est venue avec lui en plus. Non, mais c'est pas possible. Les amis, c'est une catastrophe. On a besoin de la sorcière. On a vraiment besoin de la sorcière, surtout pour mes devoirs et pour plein d'autres trucs. Pour faire les devoirs de Lily Rose. Et même moi, je lui ai demandé d'inventer une potion pour fabriquer de l'argent, pour fabriquer des bonbons. On a trop besoin d'elle. Comment on va faire? On va faire comment, là? Bon, écoute, faut qu'on trouve un plan pour qu'elle reste avec nous, ok? Bah ouais, mais quoi comme plan aussi? Il faut plus qu'elle soit amoureuse de ce... je sais même pas à quoi. Qu'on lui fasse croire attends, que... t'inquiète, chut. Elle est là. Ah, je vous présente. Mais il est très beau. Mais c'est ma petite Migale. Mais il est beau. Regardez. Oh, il pue, les amis. Il sent mauvais. Ah oui. Ah, il est très beau. Il Rose, viens. Il est beau et surtout son odeur. L'odeur, elle est belle. Elle est belle. T'aurais pas une petite chauve-souris à leur donner? Par contre, si ça pourrait se faire en dehors de ma chambre. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il est très beau. Bon, voilà. Allez, on se quitte. Pas si loin. Non, j'ai pas besoin de te dire bonjour, je te salue. Allez, voilà. Bon, nous, on se revoit. Salut. Ah oui, du coup, tu pars maintenant? Bah oui, je vais partir maintenant. Allez, je te rejoins. Attendez, on va vous dire au revoir. De toute façon, la sorcière, tu dois prendre toutes tes affaires. Va en bas, on arrive. Ouais. Ah oui. Et comment il s'appelle déjà, Migale? La petite Migale, ok, bon. Allez, viens, attends. Attends, c'est bon, on peut respirer. Ah, il sent mauvais, mais où est-ce qu'elle a trouvé ça? Il doit se laver en se roulant dans la boue, c'est pas possible. Ah bah, il se lave pas du coup, quoi. Oui, il se lave pas. Bon, écoutez, les amis. Il faut qu'on trouve une solution pour pas que la sorcière parte avec lui. Parce que sinon, ça veut dire qu'on pourra plus se servir de ses sorts, on pourra plus se servir d'elle pour faire absolument ce qu'on veut, et Lily Rose va devoir travailler tout l'été, pendant toutes les vacances, sur ses devoirs. C'est une catastrophe. Non, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire?
Au pire, on peut dire qu'on garde la sorcière avec son amoureux et qu'il reste, je sais pas. Hors de question, vu comment il pue, c'est hors de question qu'il reste tous les deux chez nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Clair, je sais pas. Bon, écoutez, à mon avis, il faut inventer une histoire pour que la sorcière ne soit plus amoureuse mais de... Mais quoi comme histoire aussi ? Je sais pas. En plus, il a l'air gentil, à part... Attends, j'ai une idée. Quoi ? Attends, je te la dis juste après, je vais regarder qui c'est. Oui, oh ! Bonjour ! Oh non, pas lui ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh, j'avais des questions à vous poser. Oui, des questions à nous poser, vas-y. Oui, vous savez où sont ton petit recette de potions ? Attends, Tu veux savoir quoi, où elle cache les recettes de ses potions? Oui. Mais ça, on va pas te le dire. Non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi tu veux savoir où elle cache ses recettes? J'en ai besoin. Attends. J'espère que tu ne veux pas voler les recettes des potions de la sorcière quand même. Non, je vais pas les voler. Je vais me les approprier. Bah, je vais lui demander si elle est d'accord. Non, mais me touche pas la main. Pourquoi tu veux pas que je lui dise que tu veux les potions? Elle est pas d'accord ? Attends, tu serais pas en train de vouloir lui voler ou d'être ami avec elle par intérêt. Tu fais pas semblant d'être amoureux de la sorcière pour voler tous ses secrets. Vous n'allez pas lui dire. On va lui dire. Reste là. C'est une bonne idée, un très bon plan. Ah bah voilà. Sorcière. On n'aura même pas besoin d'inventer. La sorcière. Viens, suis-moi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Elle est où, ma petite migale ? Oui, t'inquiète pas, on va aller la voir, ta petite migale, juste après. Avant, on doit t'expliquer quelque chose. Viens. Je sais pas où il est. Ah, il est là. Vite, ferme la porte, Lily Rose, faut pas qu'il nous entende. Il est là, regardez, il est là. Ah, il est là. Il est là, ce petit migale. Oui, bah, qu'est-ce qui se passe, je dois t'expliquer quelque part. Quelque chose. Mais vraiment hyper important là, tu vas être vraiment choquée. Il voulait les recettes de tes potions. Non. Mais si, en fait, il voulait retrouver le livre là où tu mets toutes tes recettes et tout. Il voulait avoir tous tes secrets, il voulait avoir toutes tes potions. À mon avis, s'il fait semblant d'être amoureux de toi, pour avoir toutes tes recettes. Ah bon, c'est pour ça que tout à l'heure. Oui, il voulait pas. Attends, on fait semblant de rien. Ah, monsieur Miguel. Bon bah. Qu'est-ce que tu fais là? Ce sont des menteurs, tous les deux. On lui a dit toute la vérité. Non. C'est vrai que tu veux mon livre de potions? Oui. Mais c'est pour faire. Un gâteau à la potion. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il veut te voler tous tes secrets. C'est pas vrai ce que vous dites. Tout de suite, tu me demandes mes potions. Oui, viens alors avec moi. Alors qu'on se connaît à peine. Sorcière, viens. Non. Écoutez, monsieur Miguel, vous allez partir et laisser notre sorcière tranquille. Non. Partez d'ici. Allez, partez. On te jette un sort. Ouais, ou sinon on vous jette un sort. Partez de la maison tout de suite. Regardez-moi ça. Hein? Non mais. C'est oui pas oui grave, non mais tu te rends compte t'allais nous abandonner pour ce bonhomme malicieux. Oh, je vous remercie de m'avoir prévenu quand même. Oh Lily Rose. Bah, merci à Motus. Et Motus aussi. Regardez-moi ce visage voluptueux. J'adore les chinois. Bon les amis, on va vous quitter ici. On fera attention à ce qu'ils ne reviennent jamais chez nous et surtout la sorcière avant de trouver un amoureux. Bah présente-le nous, on verra si c'est une bonne personne. De toute façon, la prochaine fois que je le vois dans la forêt, je lui jette un sort. Oui, tu lui jetteras un sort pour nous les amis si vous avez aimé cette vidéo. Faut pas la gratter. Cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran, mettez un like, abonnez-vous, allez voir une autre vidéo sur notre chaîne. À la prochaine. Bye bye. Ciao. Dehors toi, on veut plus te voir. Je...